Bonjour agréable petite créature, c'est White et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Rainbow Six Siege. Cette fois-ci je placerai une petite caméra au-dessus de mon épaule pour vous proposer un dans la peau du requin, jouer dans mes conditions, voir comment je joue. Et je vais essayer de vous faire un live commentary pour vous montrer effectivement comment je fais ces trucs là. J'ai l'impression que c'est une série que vous aimez bien, donc écoutez, ma foi, je me suis dit pourquoi pas ne faire une petite vidéo aujourd'hui comme ça un peu, hein. Une bonne map de merde pour commencer, on se retrouve sur Tempa. Je vais essayer de prendre une petite Ibana à la cog, on va essayer de forcer le café. Ils seront probablement en haut dans le bunk, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc on va essayer de taper le café, taper le mur pour pouvoir rentrer. Si jamais ça passe pas, je me mettrai en rappel sur les fenêtres de B. Je vais voir en fonction de mon opérateur, de où est-ce qu'ils sont et de ce que je peux faire avec mon OP tout simplement. Voilà. Alors j'ai vu que la Ela voulait absolument spawn kill au niveau du train qui était là-haut. Normalement si je ne me trompe pas, elle va sortir par là. Si j'arrive à la sortir, je pourrais taper les fenêtres en rappel tout de suite pour prendre un kill. Ensuite revenir et en sortir voilà, il faut juste pas que je la rate la petite dame. Il faut juste que je fasse attention aux fenêtres. Alors, mademoiselle, est-ce que c'est par là, pas au hasard, que vous vouliez venir? La porte est fermée, donc c'est pas par là. La porte est fermée. Nickel, je vais pouvoir prendre mon rappel. Là, c'est où? Il y avait un pulse. Toujours rester attentif à ce genre de petites choses. Pas faire ça, pas bien. Artum. Do not get killed easily. On va ouvrir là. Et je vais voir un petit peu le café. Maintenant, ce qui traîne dedans. Alors, forcément, il y aura des lésions. Forcément, il y aura quelqu'un. Table renversée, il n'y a personne. Impressionnant. Au niveau du frigo et du comptoir, il n'y a personne. Et du coup, j'ai quelqu'un à contact droite. Et quelqu'un à contact gauche. Ok. On va ouvrir ici. Alors on prend la ligne sur la longue. Attention au train. No longer in your possession. Magnifique headshot de la part du requin blanc. Bang, bang. C'est comme ça qu'il entre, se prépare doucement. On fait doucement, on analyse un peu l'autre, j'ai entendu recharger. Et je lui mets une magnifique tête. Génial. C'est cool, je suis content, c'est un bon premier round et j'espère que vous serez satisfait et que de ce fait, vous lâcherez un énorme pouce bleu. Pour le coup, je vais ouvrir la porte. Je vais vous montrer un petit truc vraiment sympathique. Les ennemis n'y pensent jamais. Ici, il y a des lattes. Vous ouvrez. Dans la latte. Là, juste là. Impossible à voir, là, elle est là. Impossible à voir, impossible à casser. Elle est là-dedans. Là, vous la voyez, elle est là-dedans. Maintenant, du coup, je vais vous montrer, je vais sortir en deux skis. Je vais coller mes là, et je vais repartir. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est aussi en disposer un pour les scamains. On peut mettre... Oh, éviter d'insister, je vais me faire sortir quand même. Normalement, il est là derrière, sur le toit. Pour le coup, mon greedy peut me coûter la vie, hein. Un mort. Il a pris là. On va faire très doucement. Peut-être prendre la décale. Nice try. Nice, you did it well. Donc on va faire... J'en entends toujours un. Oh, et ça ne passe pas, ça ne rentre pas, c'est impressionnant. On aurait dit un combat de bot, on aurait dit un combat de bot tout simplement, voilà. Ça fait plaisir. Le dernier très low HP, il est sur le toit. He was on the roof. Ah, il y en a un qui rage quitte en face. J'abandonne, fuck all of you. On commence, 2-0, good. Good. On a une très bonne équipe, très réceptive, qui fait super attention, qui joue bien. C'est cool, n'hésitez pas
à communiquer, c'est très important. Je suis obligé de désactiver le voice vocal du coup, puisque je vous fais une petite vidéo et que j'ai besoin de vous parler. Mais pour le coup, c'est ultra méga important. À la limite, on peut également les faire chier avec un Blackbird. C'est super facile de jouer avec un Blackbird sur cette carte là. Je peux essayer de vous montrer, peut-être s'ils reprennent éventuellement le top, je peux essayer de tryhard avec un Blackbird. Pour vous montrer, je vous entends tous les rageux dans les commentaires. Toujours regarder en dessous des fenêtres comme je l'avais regardé tout à l'heure. On va regarder là, toujours on décale très doucement. Là, c'est pas cassé. Je vais juste aller checker la porte, comme ça je pourrais prendre un rappel un peu violent. La porte est ouverte, donc je ne vais pas pouvoir prendre le rappel ici. Il va falloir que je me méfie d'en haut. Donc je vais prendre la ligne, simplement. Voilà. Prendre la ligne, c'est ce que je sais faire. Ici, c'est ouvert. J'ai déjà une Dokkai Baby qui est dedans, en fait. Donc je vais pouvoir y aller. Let's go. Là, maintenant, je peux prendre le rappel. Personne sur le bébé, let's go. Voilà, je suis dans le bébé. Il m'a carotte mon kill. C'est pareil, on continue d'attendre, on a juste des lignes à tenir pour le moment. En étant ultra attentif à ce qui se passe un peu. Là je me suis annoncé pour le coup. On va l'attendre. Elle est obligée de revenir sur BP. J'espère que mon camarade va venir avec moi. Voilà, terminé. Un Blackbird sur site, ça fait 3 mal, 5-1. Très bien joué de la part du Blackbird français qui a fait un move excellent. Planqué sur site et qui m'attendait en bas. Et du coup, petit headshot des familles. Toujours joué avec le shield sur des décales verticales. Facile. Facile. Et on est bien sur de l'élo diamant. On y va. C'est parti. La fenêtre là, elle a été cassée. A mon avis, ils doivent être dans cette zone de jeu et je suis pas bien du tout. Donc je vais essayer de fuir. Je vais activer ça et je vais revenir par le main. Je vais essayer de les flanquer. Il va falloir que je me dépêche pour les prendre. C'est parti. J'ai pas le choix, on se dépêche. Et on y va. Putain, j'en ai eu un! Il est tombé! Non! J'ai essayé de les flickshot, mais j'ai quitté le premier adversaire trop tôt. Et oui, ça suit l'info du Blackbird, effectivement. Bad move! Bad move! Maintenant, tu te retrouves coincé. Et il n'y a pas de rota entre les deux BP. C'est de la merde, ça. C'est vraiment pas cool. Oh, god damn it. J'avais fait le move de la victoire. Alors s'il y a quelqu'un par là, vraiment, là je ne comprends point. Mais alors là je peux. Là je devrais être good. J'arrive dans le dos des adversaires là. Wow. J'ai bien l'impression que je serai le seul à tenir le BP. La Twitch qui est morte, c'est terminé. Ça c'est good. On n'a plus qu'à attendre encore. Tout le monde se présente toujours à cette fenêtre alors que cette fenêtre puis la merde, c'est pas du tout là qu'il faut attaquer. Parce que cette fenêtre est trop dangereuse. Je regardais déjà là, on a deux lignes dessus. Ça court au-dessus. On va toujours attendre. La MP5, on ne bouge pas. Ok. Donc là, ça va commencer à pousser. Get prepared. Get prepared. I'm watching. En fonction de si ça rentre ou pas. Là, ça va être dur. Là, ça va être un peu plus dur. Mais c'est pas grave, je vais attendre. Il va sûrement se présenter à moi, il va sûrement se donner, il n'y a aucun problème. Nice. Pas énormément de kills, mais un bon ratio de 2 et une game super propre, sans trop d'erreurs. Hâte de voir un petit peu l'élo des adversaires, le mec que j'avais avec moi était pas dégueulasse aussi, je suis content.
Pour une fois que j'ai une bonne squad. GG. Well play. Ça sert à rien de partir les gars, sérieux. Je veux voir vos rangs là. Il y en a, on le verra pas, on en verra que 3. En général, c'est toujours les rangs les plus élevés qui partent en premier pour pas qu'on voit qu'ils sont diamants ou platine. Platine 1, platine 2, non c'est good, c'est une bonne partie, c'est assez équilibré. Je pense que pour équilibrer la balance, le dernier, celui qui a rageait comme un gros porc, ça devait être un diamant tout simplement. Voilà, il a tellement fait un mauvais score que j'avais du mal à dire le mot diamant, ça m'a arraché la gueule. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura fait énormément plaisir, comme ça vous voyez un petit peu comment je joue, etc, machin et tout. Sachant que là j'ai été vraiment très professionnel sur cette game, vous aurez l'occasion de me voir ce soir en stream. En suivant tout simplement le lien Twitch qui est dans la description pour me faire très plaisir. Vous pourriez éventuellement m'aider à faire monter ma chaîne Twitch, à me lâcher un petit follow sur Twitch, ça fait toujours extrêmement plaisir. Les amis, j'espère vraiment que vous serez satisfaits d'un petit gameplay propre sur Theme Park. J'ai pas été trop greedy, j'ai essayé de sécure un petit peu mon score, vous montrer comment jouer proprement cette fois-ci, puisque d'habitude je joue tout le temps aggro, contact, et là machin et tout. En tout cas voilà, j'attends impatiemment vos retours dans les commentaires, je vous embrasse, et vous donne rendez-vous ce soir à 21h pour une nouvelle session live avec Monsieur B-Boy 45 si vous connaissez. Ciao tout le monde, bye bye.